Alessia, tu nous entends? Oui. Super. Alors, on démarre. Karim. Bonjour, coach. Ce match est sans doute le match le plus attendu par la plupart des supporters de l'Olympique de Marseille. Il arrive un moment où on a l'impression que l'écart entre les deux équipes s'est réduit en ce début de saison. Est-ce que c'est votre avis aussi? Et comment vous l'avez préparé cette semaine après la belle victoire à Montpellier? No, è una partita che pure noi, pure dentro lo spogliatoio sentiamo molto, perché ho detto che la prima cosa che avrei voluto era la connessione totale tra squadra e tifosi. I giocatori devono sapere che l'OM non è un club normale, un club diverso dagli altri, e quindi devi sentire gli umori, devi sentire qual è il pensiero della gente. Sul divario tra noi e il Paris è il tempo che lo dirà. Oggi possiamo dire tutto e sono solo chiacchiere, bisogna dimostrarlo in campo tutte le domeniche, non solo domani, anche domenica, ma sarà il tempo che lo dirà, non lo dico io, non lo dite voi, e bisogna dimostrarlo sempre. Alors c'est évidemment un match que tout le monde sent, que tout le monde voit comme un match très important, pas seulement les supporters, mais vraiment nous aussi au sein du vestiaire. Je vous l'avais dit, je voulais vraiment qu'il y ait une symbiose, une connexion entre mes joueurs et les supporters. Donc quand on joue à l'OM, il faut savoir que voilà, c'est un club qui est différent des autres, et donc il faut savoir aussi ce qu'attendent les gens et le peuple marseillais. Et en ce qui concerne l'écart entre les équipes. Après 40 ans, le meilleur moyen pour un homme de perdre du poids, ce n'est pas de courir une heure par jour, ce n'est pas de devenir vegan ou carnivore. Les équipes, je pense que le temps nous le dira. C'est à nous de le démontrer tous les dimanches, pas seulement ce dimanche-là, tout au long de la saison, parce que sinon on pourrait donner plein d'avis là, mais ce qui compte, ce sont les faits. Et voilà, c'est juste avec le temps qu'on verra si en effet cet écart est différent ou pas. Jean-Claude. Bonjour, j'ai une question sur Griezmann, mais avant je voudrais avoir des nouvelles de Lirola, Murillo, Brassier et le quatrième qui n'était pas là ce matin, Garcia. Est-ce qu'ils sont dispo pour le match de dimanche? Qu'est-ce qu'ils faisaient s'ils n'étaient pas sur le terrain? Si. No, Brassier sta bene, Garcia e Merlin dobbiamo vedere domani. Perché Garcia è venuto fuori dalla partita con qualche problemino e basta, poi gli altri. Murillo sta bene pure lui, era stamattina era un po' affaticato, ha visto l'allenamento ma è a disposizione. Domani vediamo, ho qualche dubbio nella formazione, non tanti ma qualcuno sì, e vediamo domani. Alors Brassier, il est en forme. Garcia et Merlin, on verra demain. Garcia, c'est vrai qu'il y a eu quelques petits problèmes après le match, mais sinon Murillo aussi est à disposition, est disponible. Il a vu l'entraînement aujourd'hui, il avait un petit peu de fatigue, mais voilà, il est dans le groupe et après on verra demain. J'ai quelques doutes, peu, mais voilà, il faut encore qu'on prenne les décisions. Et Lirola? Okay. Et Lirola? Lirola sta bene pure lui. Pour Greenwood, il marche très fort depuis qu'il est arrivé. Est-ce qu'il répond déjà à toutes vos attentes ou est-ce que vous attendez encore plus de lui? Des aspects. Mi aspetto ancora di più. Mi aspetto ancora di più da lui perché è un giocatore diverso dagli altri. Sta facendo molto bene, secondo me. Lo vorrei più completo, più uomo squadra lo vorrei. Lo vorrei che lavori di più senza palla. Ma è molto giovane, è un bravo ragazzo, è umile, sta dando disponibilità totale, quindi arriverà a essere un giocatore totale. Ancora non è totale, però uno dei nostri compiti miei, dello staff, mio dello staff, è di migliorare i giocatori, e anche lui ha margini di miglioramento.
Alors, c'est oui, j'en attends encore plus de lui. C'est assez simple parce que c'est un joueur qui est différent des autres. Il est vraiment très bon, mais voilà, je pense qu'il peut être encore plus complet, être encore plus homme d'équipe, travailler aussi sur la phase sans ballon. Mais il est très jeune, donc c'est normal aussi. C'est vraiment un bon gars. Il est humble. Il est toujours très disponible. Il peut devenir, voilà, s'il progresse sur tous ses fronts, un joueur total. Comme on dit, même s'il ne l'est pas encore. Voilà. Après, le travail aussi, mon travail, le travail de mon staff, c'est de faire progresser les joueurs. Et lui, il a encore une bonne marge de progression. Tristan. Bonjour. Dimanche, vous allez croiser sur le banc d'en face Luis Enrique. À l'époque, quand il gagnait avec des champions, je crois que vous étiez à Foggia au début de votre carrière. Est-ce que ça fait partie des entraîneurs qui vous ont un peu influencé? Et qu'est-ce que vous pensez de son travail, que ce soit au PSG, mais en général dans le football, s'il vous plaît? Sì, sì, Luis Enrique è uno dei migliori allenatori da anni, non solo negli ultimi anni, ma è da tanto che sta dimostrando di essere uno dei top coach ed è stato anche lui chiaramente uno dei riferimenti perché ha una matrice chiaramente offensiva, chiaramente di un certo tipo di calcio, quindi è stato anche lui un mio punto di riferimento. Poi non lo conosco di persona, non abbiamo mai... non ci siamo mai incrociati, ma anche come persona mi sembra una bravissima persona, mi piace anche come uomo, come si comporta, come risponde alla stampa nei comportamenti, quindi è una persona che stimo, sì. Alors oui, je pense que Luis Enrique c'est un des meilleurs entraîneurs au monde depuis des années, pas juste là depuis qu'il est au PSG. Je pense qu'il a démontré que c'était vraiment un des meilleurs entraîneurs, un top coach. Voilà, c'est évidemment une référence pour moi puisqu'il a une matrice offensive dans son jeu, un type de football qui me plaît. Donc ça a été une référence d'entraîneur. Après, je ne le connais pas personnellement, je l'ai jamais affronté, mais voilà, je pense que du moins, j'ai l'impression que c'est une belle personne. Voilà, j'apprécie l'homme, la personne, la façon dont il se comporte aussi. Je vois quand il répond à la presse, etc. Donc, j'ai beaucoup d'estime de lui. Camille. Bonjour, coach. Justement, on a pu voir que les défenses de Nice, d'Arsenal et de Lille bloquaient principalement l'axe pour contraindre le PSG à passer par les latéraux, notamment Hakimi, qui joue très haut, voire un peu quasiment comme un ailier. Est-ce que, à vos yeux, c'est la bonne solution défensive pour faire face au PSG? Merci. Bloccare queste squadre non è facile perché se blocchi dentro lasci Barcola e Dembélé in uno contro uno, se blocchi fuori lasci il possesso palla completo a loro. Io credo che si debba avere il giusto mix tra la fase difensiva e la fase di possesso. Quello che voglio è questo, l'umiltà e il sacrificio nella fase difensiva, sì, l'attenzione totale, sì. Ma noi siamo l'OM, dobbiamo fare la partita per vincerla, per tenere la palla da protagonisti, anche se sarà difficile, anche se rispettiamo i campioni di Francia. E però quando abbiamo firmato per l'OM era una cosa scontata arrivare a queste partite e avere l'ambizione di farle da protagonista, se no dobbiamo cambiare squadra. Alors c'est difficile de contrer, de bloquer ces équipes parce que si on bloque l'axe et le milieu du terrain, on risque de laisser Barcola et Dembélé sur les couloirs en un contre un. Si on essaie de bloquer plutôt les côtés, ça leur donne beaucoup plus de possession de ballon. Donc il faut trouver un bon mix entre cette phase défensive et la possession du ballon. Il faut qu'on fasse voilà avec humilité, avec sacrifice en phase défensive, c'est vrai, avec la tension totale, mais il faut pas oublier qu'on est l'OM, qu'on veut voilà avoir le ballon. Ce sera difficile, il faut respecter ces champions de France, mais je pense que quand on signe à l'OM, on sait qu'il est évident qu'il faut avoir l'ambition de pouvoir remporter ces matchs, parce que sinon autant changer de club. Oui.
Bonjour Roberto. Bonjour. Justement, ma question, c'était par rapport à cette possession de balle. On sait que vous allez affronter justement une équipe et un entraîneur qui a envie d'avoir cette possession de balle, parfois même de manière exacerbée. Est-ce que vous pensez que votre effectif actuellement, en l'état actuel des choses, que compte tenu des facteurs peut-être un peu physiques, de la compréhension aussi tactique de vos joueurs, ils sont en mesure aujourd'hui de faire face à ça et d'être, comme vous l'avez dit, protagoniste de ce match-là? Non, il discorso è diverso. Il Paris Saint-Germain stanno assieme da tanto tempo e quello che stanno costruendo lo stanno facendo non da due mesi, lo stanno facendo da tanti anni. E l'OM con me è nato due mesi fa, quindi noi questo dobbiamo saperlo. Il discorso è diverso perché dentro di noi l'ambizione deve essere quella comunque di fare la partita in un certo modo, di prepararla con una certa attitudine per vincerla, per giocarla nel modo nostro. Poi dopo le difficoltà della partita ci saranno dei momenti che dovremo subire sicuramente e dobbiamo essere pronti a questo, ma l'ambizione dentro di noi deve essere quella di non subire tutta la partita, ma quella di farla e di farla anche in un certo modo.